matin, je veux remercier Dieu pour chacun d'entre vous. Et depuis donc dimanche dernier, Dieu nous a instruits à partager un sujet essentiel, un sujet important, un sujet qui concerne les familles. Nous parlons de la délivrance des familles. Et dimanche dernier, nous avons défini la famille. Nous avons dit que la famille tirait son origine du ciel et que Dieu lui-même, lorsqu'il a fait l'homme, il s'est adressé à lui-même en disant « Faisons l'homme à notre image ». Et donc ce Dieu pluriel, puisque Elohim veut dire « Elohim », ça veut dire « les dieux ». Donc Dieu s'adresse à lui-même en tant que famille céleste, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et donc toute famille tire son origine en Dieu. Et que la volonté parfaite pour les familles, c'est que les familles se portent bien, que les gens ou les hommes émanant de ces familles-là se portent également bien. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons. Voilà pourquoi plus que jamais, le thème de la délivrance des familles est essentiel. Nous avons dit également que, ça c'est dimanche dernier, que lorsqu'un homme naît dans une famille, il naît dans un environnement. Alléluia. Et l'environnement donc a la capacité d'influencer cette personne. Parce que le premier savoir basique qu'un homme reçoit, il le reçoit de son environnement. Quand vous naissez, la première connaissance ou le premier savoir que vous avez, c'est dans votre environnement que vous l'avez. Et de cet environnement, vous recevez le premier savoir et le savoir vous conduit dans des expériences. Et ces expériences-là déterminent ce que vous choisissez de croire ou de ne pas croire dans la vie. C'est très important. Parce que ce qu'un homme choisit de croire est lié aux expériences dans lesquelles il passe. Dites-moi Amen. Ensuite, ces expériences-là donc établissent ce que vous choisissez de croire. Et ce que vous choisissez de croire établit bien sûr vos convictions et vos convictions, votre foi. Et votre foi détermine vos choix dans la vie. Donc quand vous voyez les choix d'un homme sont toujours basés sur sa foi. Alléluia. Et bien sûr, vos choix déterminent vos habitudes et vos habitudes, votre destination ou votre destinée. Donc lorsque vous voyez un homme prendre un chemin, alléluia, le chemin vient de son environnement immédiat, la famille. Voilà pourquoi, si nous voulons une société qui est meilleure, il faut que les familles se portent bien. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Donc l'environnement familial est essentiel pour façonner les hommes de demain. Voilà pourquoi, si tu es là, je veux bénir Dieu pour ta vie et je crois que Dieu a un plan pour ta destinée. Voilà pourquoi il t'a envoyé en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Et nous avons parlé de combat. Que chaque famille, qu'importe la famille, fait face à des combats. Parce que depuis la chute de Lucifer, Dieu aime les familles, mais Satan déteste les familles. Parce que c'est par les familles que Dieu bâtit, et également c'est par les familles que Satan détruit la société. Voilà pourquoi les combats sont dans nos familles. Elles diffèrent d'une famille A à une famille B. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a trois types de combats majeurs. Trois types de combats majeurs auxquels toute famille fera face. Numéro un, je l'ai dit, ce sont les combats hérités. Des combats qui ne dépendent pas de nous. Des combats que nous héritons parce que nos pères les ont initiés. Et nous venons, et ces combats-là sont là, il faut les faire ou périr. Deuxième type de combat, ce sont les combats provoqués. Provoqués par nos choix personnels, par les choix que nous faisons dans la vie. Chaque choix que tu fais dans l'ignorance peut t'engager dans un combat. N'oublie jamais cela. Et donc, il y a des combats que nous provoquons. Le choix d'un conjoint, un mauvais conjoint, ou le choix d'une femme qui n'est pas la bonne, peut nous engager dans un combat. Alléluia.
Alléluia. Et pour terminer, nous avons également les combats imposés que la vie nous impose pour des raisons de destinée. Donc, il y a des personnes qui font face à des combats parce qu'ils portent un fardeau spirituel. Ils ont quelque chose que Dieu veut faire avec eux. On a vu avec Marie, mère de Jésus, qui a fait face à des combats, non pas parce qu'elle avait péché, mais parce qu'elle portait quelque chose. Donc souvent, ton combat dépend de ce que tu portes. Dis-moi amen. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer et je vais partager avec vous sur ce que j'intitule « Les liens de sang et les prisons familiales ». Est-ce qu'on peut répéter avec moi « Les liens de sang et les prisons familiales » Plus fort. Donc, nous allons voir ce que j'intitule « Les liens de sang », la puissance des liens de sang et des prisons familiales. C'est vraiment essentiel. Il faut m'écouter. Vous savez, Satan, quand il s'agit des bonnes choses, veut distraire tout le monde. Alléluia. Mais je veux que tu restes concentré parce que ta présence ici ce matin ne peut pas être le hasard. Est-ce que ceux qui sont derrière vous m'entendez correctement? Alléluia. Ça ne peut pas être le hasard. Dieu a un plan pour ta vie et pour ta destinée. Alléluia. Nous allons faire notre première lecture. Alléluia. On va se lever par respect de la parole dans Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car oui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, oui, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, oui, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les dominations, les autorités. Retenez quelque chose d'important ici, je l'ai dit, je le répète, ce verset est post-résurrection. Ça veut dire que Jésus est déjà mort et ressuscité. Mais la Bible nous donne injonction au combat. Il dit, votre combat n'est point contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre ton frère, mais contre les autorités, les dominations et les esprits méchants. Ça veut dire que, bien que Jésus soit mort et ressuscité, les combats de la vie sont une réalité spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Deuxième lecture, Lamentations 5, verset 7. Lamentations 5, verset 7. Oui. Nos pères ont péché. Regardez au tableau. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. La Bible fait une déclaration ici qui est grave. Il dit, nos pères ont péché. Ils sont partis, ils sont morts. Mais c'est nous qui vivons, qui portons la peine de leurs iniquités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des combats auxquels vous ferez face dans la vie. Ce n'est pas vous qui les avez initiés. Vous n'avez rien à voir avec ces combats-là, mais vous êtes obligés de faire ces combats-là si vous voulez vivre. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Merci, veuillez vous asseoir dans sa présence. Ce matin donc, je parle de liens de sang et de prison familiale spirituelle. Alléluia. Lorsqu'un homme naît d'une femme et d'un père, il reçoit des deux sources. C'est très important. C'est-à-dire, chaque être humain qui naît d'une femme et d'un homme reçoit de deux sources. Est-ce qu'on peut dire avec moi deux sources? Je vais travailler avec toi aujourd'hui, on va prêcher ensemble. Parce que la répétition, elle est pédagogique et elle t'aidera à comprendre ce que je veux faire passer comme message. Est-ce que tu peux dire avec moi deux sources? Donc, un homme reçoit de son père et de sa mère. Ok? Maintenant, cet homme donc est la somme de son père et de sa mère. Maintenant, je vais faire une expérience pour que tu comprennes déjà ce de quoi je veux parler. J'ai besoin d'un homme et d'une femme. S'il vous plaît, aidez-moi. Donc, pasteur Ismaël, tu vas venir avec maman Zébo devant.
Alléluia. Suivez un peu ce que je suis en train de faire. C'est une démonstration. Voilà, papa, maman. Chandelier, tu te mets devant eux. Voilà leur fils, chandelier, qui est devant. OK. Derrière papa Dali et maman Dali, c'est juste pour des exemples, il y a combien de parents? Pasteur Dali a deux parents. Maman Zebo a deux parents. Donc, je veux deux parents derrière, c'est-à-dire un homme et une femme derrière Pasteur Dali, un homme et une femme derrière Maman Zebo. Dépêchez-vous, si. Dépêchez-vous pour comprendre. Suivez. Donc, voilà. Deux. Hommes et femmes derrière. Rapidement. Merci. Voyez, donc, on a papa et maman ici, derrière. Ça fait quatre derrière eux. Maintenant, derrière les quatre, il y a combien? Huit. Je veux huit personnes. Hommes, femmes, rapidement, s'il vous plaît. Les jeunes sœurs, les hôtesses, toutes les hôtesses, venez rapidement avec les frères de la sécurité. Rapidement pour que nous puissions avancer. Il ne faut pas être timide dans la maison du Seigneur. Alléluia. Ça va faire huit. Donc, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme. Merci. Femme, un homme. Donc, huit ici. Il faut juste... Les autres peuvent rester derrière, ce n'est pas grave. Il faut juste huit là. Voilà. Donc, deux femmes ici, deux hommes. Deux hommes derrière. Est-ce que je peux avoir deux hommes ici? Derrière, il faut huit. S'il vous plaît, il faut bien voir. Huit, deux hommes, deux femmes. Donc, il y a deux sœurs qui doivent aller s'asseoir, c'est ça? C'est ça? C'est parfait. C'est bon? Donc, une sœur peut aller s'asseoir. Merci, ma sœur. Merci d'être venue. Regardez. Suivez-moi très bien et en même temps, on a le tableau qui vous permet de comprendre. Parce que, vous savez, les choses spirituelles, c'est la compréhension qui vous apporte la liberté. C'est pourquoi la religion n'est pas une bonne chose. Jésus n'est pas venu avec une religion, il est venu avec le christianisme, qui est différent de la religion, parce que le christianisme, ce n'est pas la religion. Le christianisme, c'est la compréhension des choses spirituelles. Dieu qui décide de faire alliance avec les hommes pour s'identifier à nous, pour que nous puissions nous identifier à lui. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Donc ici, ce n'est pas une religion, c'est une église où on vient pour apprendre, grandir et accomplir notre destinée en Dieu. Regardez maintenant, le frère chandelier, le premier qui est l'enfant de papa et maman Dali. Il est né de nouveau, il est converti, il est membre des églises ABMC. Ce frère-là, il connaît son père, il connaît sa mère. À la limite, il connaît les deux grands-parents qui sont derrière. Mais, à partir de la troisième génération, il ne les connaît pas tous. Parce que, à la troisième génération, on a huit personnes. Derrière ces huit personnes, il y a combien de personnes? 16 personnes qu'il n'a jamais connues et qu'il ne connaîtra jamais. Mais, malgré tout, il est la somme. Il est la somme, lui. Il est la somme de ces 16 personnes qui sont derrière, qu'il n'a jamais connues, qui sont peut-être des féticheurs, qui sont peut-être des francs-maçons, qui sont des gens qui ont fait des choses bizarres, qui ont fait des choix. Il est la somme de ces gens, mais il ne les a jamais connus. Donc, vous voyez qu'en réalité, un homme est la somme de ses parents. Maintenant, je vais vous expliquer en quoi un homme est la somme de ses parents. Est-ce qu'on peut acclamer ses frères pendant qu'ils vont s'asseoir? Donc, c'est essentiel pour chaque enfant de Dieu de comprendre que le lien de sang est quelque chose d'important. Maintenant, pour que vous puissiez bien me saisir, je vais vous expliquer sur le plan scientifique des vérités qui ont leur racine dans la Bible. La première chose que tu dois retenir, c'est que lorsqu'un homme va avec une femme, l'homme libère ce qu'on appelle les spermatozoïdes qui vont féconder l'œuf ou l'ovule.
de la femme. Donc, lorsqu'il y a fécondation entre le spermatozoïde et l'ovule, on a l'œuf qui est formé. Et cet œuf-là, c'est celui-là qui est fixé dans l'utérus, qui se développe pour donner l'enfant. Mais, chaque parent donne à l'enfant quelque chose. Et les scientifiques disent que chaque être humain a 46 chromosomes. Est-ce qu'on peut dire avec moi 46 chromosomes? Donc, moi j'ai 46 chromosomes, tu as 46 chromosomes. Lorsque papa et maman vont ensemble, chaque parent libère 23 des 46. 23 des 46, papa donne 23, maman donne 23. Et l'enfant se forme son propre squelette génétique. Amen. Alléluia. Maintenant, les chromosomes sont porteurs de gènes. Et les gènes sont ceux qui portent l'information héréditaire. Ça veut dire quoi? Ce que je suis, la couleur de ma peau, la couleur de mes yeux, ma morphologie, tout ce qui fait Alexandre Amazou est porté par un gène. Un gène. Et les gènes eux-mêmes sont formés de ADN. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi. Dans le test de paternité, lorsqu'on veut savoir si un enfant appartient à une famille, on fait le test ADN parce que c'est le test le plus fiable. Le groupe sanguin, ce n'est pas fiable. Moi, je suis O positif. Il y a plusieurs O positifs dans la salle. Ça ne veut pas dire qu'on est frère. Parce que le chiffre, le O n'est qu'un élément porté par un gène. Ce n'est pas le sang. O n'est pas le sang. O est un élément porté par un gène qui caractérise le sang de la personne, mais ce n'est pas le sang. Voilà pourquoi, lorsqu'on veut faire le test de paternité, on va à l'ADN. Parce que l'homme a des chromosomes. Les chromosomes sont portent des gènes et les gènes sont faits d'ADN. Et chaque gène porte une spécificité de toi. Maintenant, regardez. Les 16 personnes qui étaient ici, qui sont les ancêtres de Chandelier, ils ont donné à leurs enfants des gènes. Leurs enfants ont donné à leurs enfants des gènes. Leurs enfants ont donné à leurs enfants des gènes. Jusqu'aux parents de Chandelier. Donc en réalité, le frère Chandelier est la somme de ce que ses parents sont. Parce que si par exemple, un homme peut recevoir la couleur des yeux de ses parents, la morphologie de ses parents, même des anomalies de ses parents, parce qu'en médecine, il y a ce qu'on appelle les anomalies génétiques. On peut transférer à son enfant des maladies, des malformations congénitales. Il y a des maladies comme le diabète, la tension, qui sont transmissibles. Quelqu'un me dit amen. Il y a le docteur Aliko qui est là, le professeur Ismaël qui est là. Donc, je parle sous couvert. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh, acclame bien s'il te plaît. Amen. Donc, vous comprenez que lorsque les parents transmettent les gènes et les chromosomes aux enfants, ils ne transmettent pas que des gènes. Ils transmettent également des informations. Par exemple, vous n'avez jamais vu des enfants qui marchent comme leurs parents? C'est-à-dire, l'enfant naît, il n'a pas appris à marcher comme papa, mais il a la même démarche que papa. L'enfant naît, il a les mêmes réflexes que papa. L'enfant naît, il a le regard de son père. Il a même les tics, souvent les tics de son père. Observez vos enfants. Vous verrez qu'ils ne sont pas allés à l'école pour apprendre certaines choses que vous faites. Et même au niveau des couleurs, si tu as aimé la couleur bleue, tu peux être surpris de voir que tes enfants grandissant, ils vont commencer à aimer la couleur bleue. Dans quelle école ils ont appris cela? Ils n'ont pas appris ça quelque part. Ce que vous devez retenir, c'est que dans le transfert des gènes et des chromosomes, les parents nous transmettent leur spécificité et leur caractère.
Mais si cela est vrai sur le plan médical, si cela est vrai sur le plan biologique, cela est aussi vrai sur le plan spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents nous font un transfert également d'héritage spirituel. Voilà pourquoi le transfert de sang est quelque chose d'essentiel et d'important. Oh, dis-moi amen. Est-ce que ton amen peut être plus fort que ça? Alléluia. Maintenant, chaque gène a également une mémoire. Par exemple, je te donne un exemple. Si tu commences à fréquenter des personnes qui ont de mauvaises habitudes, par exemple, c'est un exemple, des gens qui aiment visiter les prostituées, et toi tu commences à fréquenter ces personnes qui visitent les prostituées, et tu commences à aller une fois, ce sera, on peut dire, on t'a influencé, deux fois, on peut dire, on t'a influencé, trois fois, on peut dire, on t'a influencé. À un moment donné, que ces personnes soient présentes ou pas, tu iras chez les prostituées parce que le comportement devient acquis. Parce que ce qu'un homme reçoit comme comportement acquis devient une seconde nature. Mais quand on dit les habitudes sont une seconde nature, en réalité, c'est une vraie nature qui vient remplacer la première. Oh, quelqu'un me dit amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et donc, ce que l'ennemi Satan fait, c'est qu'il nous pousse à poser des actes qui deviennent des comportements acquis. Et quand un comportement est acquis, il n'est pas seulement acquis, il entre dans la mémoire de tes gènes. Ça veut dire, tu peux le transférer à tes enfants. Voilà le danger de faire le choix de ne pas bien vivre. Donc, le meilleur héritage qu'un homme peut donner à ses enfants, ce n'est pas lui acheter des voitures, ce n'est pas les envoyer à Paris, ce n'est pas les envoyer aux États-Unis, mais c'est faire le choix de bien vivre et avoir des valeurs. Oh, quelqu'un me dit « Amen bien !» Parce que ce que tu ne sais pas, tout ce qui devient acquis parce que tu as eu l'habitude de faire ces choses sont enregistrés dans la mémoire de tes gènes et tu vas les transférer un jour à tes enfants. Église de Jésus, le temps de la liberté est venu. Si Dieu vous expose à ces vérités-là, c'est parce que Dieu veut vous libérer. Le transfert de sang, de liens d'iniquité générationnelle existe. C'est pourquoi je veux engager quelqu'un ici à prendre conscience que ta vie est la somme de ce que tes parents sont. Leur passé est peut-être ton présent ou ton futur. Voilà pourquoi il faut prendre conscience et avoir la connaissance. Parce que la connaissance a la capacité de t'aider à avoir ce qu'on appelle de l'avance sur les autres. Donc, ne pas savoir est suicidaire. C'est pourquoi, frères et sœurs, on ne s'assoit pas n'importe où, mais on va là où on peut avoir la bonne information. Et je veux bénir Dieu. Tu es à la bonne adresse. Je veux que tu dises « Amen bien ». Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et donc, ceci étant, je vais vous donner des exemples bibliques pour vous montrer l'importance du transfert de sang et ce que ça peut causer dans la vie. Alléluia. On a un cas biblique, par exemple. Vous connaissez, qui connaît Moïse? Tout le monde connaît l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? Genèse 49, versets 4 à 7. Impétueux comme les eaux, oui, tu n'auras pas la prééminence. Mm-hmm. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Oui. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Oui. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Oui. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Amen. Amen. Regardez ici ce tableau et observez le verset.
Dieu parle de deux familles. Il dit « Lévi et Siméon sont coléreux. Leur colère est destructrice. Et pour cette colère, je les retire de l'assemblée des saints. » Pour paraphraser. Donc ici, nous voyons que Dieu pointe deux familles, Siméon et Lévi. Alléluia. Maintenant, lorsque nous lisons l'histoire de Moïse, la Bible nous dit de Moïse qu'il est né de père et de mère, quoi? Lévi. Donc, un homme comme Moïse, que Dieu a apprécié, Dieu a dit des choses exceptionnelles concernant Moïse. Il dit « Jamais homme n'a été puissant comme Moïse ». Il dit, c'est un homme humble, un homme pour qui je parle, avec qui je parle face à face, à côté de vous, avec qui je parle dans les songes. Donc, Dieu a élevé Moïse. Mais malgré l'élévation que Dieu a donnée à Moïse, vous savez avec moi que Moïse n'est pas entré à Canaan. À cause de quoi? La colère. La colère. Parce que qu'est-ce qui a fait que Moïse est sorti d'Égypte? La colère. La Bible dit, il a frappé un Égyptien dans sa colère, et il a tué l'Égyptien. Qu'est-ce qui a fait que Moïse n'est pas entré à Canaan? La colère. Il a frappé le rocher deux fois, là où il devait parler au rocher. Frères et sœurs, je veux dire quoi? Moïse était né de parents coléreux qui ont la colère comme problème de lien générationnel. Au lieu de régler son problème, Moïse n'a pas réglé son problème, c'est la colère qui l'a arrêté. Je veux dire simplement à quelqu'un, voilà des hommes qui ont servi Dieu, qui ont marché avec Dieu, que Dieu a approuvé. Mais à cause d'un lien générationnel, ils n'ont pas pu entrer dans leur destinée. Ça veut dire, c'est des choses assez sérieuses. Frères et sœurs, c'est pourquoi je veux t'engager à observer la vie de tes parents. Leur combat sera sûrement ton combat. Est-ce que tu peux me dire amen? Je dis, leur combat sera sûrement ton combat. Oui. Ne dis pas oui, ça c'était mon père. Frères et sœurs, Moïse, ses parents avaient la colère. C'est la colère qui l'a arrêté parce qu'il n'a pas réglé son problème. Allons dans la famille abrahamique, Abraham, patriarche Abraham. Cette famille également avait des problèmes de lien générationnel. Regardons par exemple la famille d'Abraham. Abraham, le patriarche première génération. Lis-moi Genèse 12, versets 11 à 14. Cette famille avait un problème, c'est que dans cette famille, les hommes aiment les femmes qui ont un joli visage. Amen. Regardez maintenant avec moi, faisons ensemble ce voyage. Suis, oui. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, oui. Il dit à Saraï, sa femme, oui. Voici, mm-hmm. Je sais que tu es une femme belle de figure. Soulignez le mot belle de figure. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. C'est une famille biblique. C'est des gens qui craignent Dieu. C'est des gens qui ont la crainte de Dieu. Il dit, tu es une femme de belle figure. Continue, oui. Quand les Égyptiens te verront, oui. Ils diront, mm-hmm. C'est sa femme. Mm-hmm. Et ils me tueront. Oui. Et te laisseront la vie. Oui. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Qui parle ici? Répétez, tout le monde. Qui parle ici? Abraham. C'est Abraham, père. Mais pendant qu'il parle, Isaac, son fils, n'est pas encore né, n'est-ce pas? Vous avez vu toutes les paroles qu'il a prononcées? Allons maintenant à la deuxième génération avec son fils Isaac, qui est maintenant né. Genèse 26, versets 6 à 7. Genèse 26, versets 6 à 7. Allons-y. Isaac resta à Guéra. Oui. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu le tuent, parce que Rebecca était belle de figure. Quel mot qui revient ici dans les deux versets? Belle de figure. Quand papa Abraham parlait, Isaac, son fils, n'était pas né. Quand Isaac parlait ici, Abraham était déjà mort. Comment deux personnalités à des époques différentes peuvent dire les mêmes choses et confesser les mêmes choses comme s'ils avaient été programmés? Frères et sœurs, dans cette famille, il y avait un problème. Les hommes aimaient les femmes qui ont une belle
figure, c'était un lien générationnel, c'était un chemin démoniaque. Alléluia. Maintenant, allons à la troisième génération avec le Jacob. Genèse 29, verset 16 à 17. Genèse 29, verset 16 à 17, il faut me suivre. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa. Et la cadette, Rachel. Oui. Léa avait les yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Donc, vous voyez ici que Rachel était belle de taille et belle de figure. Vous pouvez comprendre pourquoi Jacob fait le choix de marier Rachel au lieu de Léa. Mais quand vous étudiez la Bible, frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi que la femme de destinée de Jacob, en réalité, ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Parce que c'est Léa qui est restée avec Jacob jusqu'à la fin. C'est Léa qui a fourni à Jacob les fils qui ont eu un impact sur la destinée de l'humanité. D'où vient notre Seigneur Jésus, de la tribu de Judas. Alléluia. Léa, Rachel, elle est morte quelque part là, dans le voyage. Mais Jacob était prêt à avorter sa destinée à cause d'un lien générationnel. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Les liens de famille générationnels sont puissants et ont la capacité de te faire avorter même ta destinée. Frères et sœurs, c'est pourquoi il faut régler vos problèmes. S'il y a des chemins démoniaques dans votre famille, il y a des liens générationnels, ne jouez pas pour dire « Oui, mon père a été comme ça, mon grand-père a été comme ça, mon père était polygame, mon grand-père était polygame, en tout cas moi ça ne me concerne pas. » Le combat de tes pères sera sûrement ton combat. Alléluia. Jacob était prêt à tout perdre pour une femme de belle figure. Pourquoi? Parce que dans sa lignée, les gens, les hommes aiment les femmes de belle. Répète. Il y a des familles ici à Abidjan. Les gens, les hommes aiment les femmes claires. Ils ne peuvent pas voir femme claire passer. Même chrétien né de nouveau, il est de la famille. Quand il voit femme claire, il faut qu'il détourne son regard pour savoir c'est qui. Il y a d'autres familles. Je vous dis, Satan a la capacité de semer toutes sortes de semences qui va se promener de façon générationnelle dans les familles. Il y a d'autres familles. Je connais une famille et le monsieur lui-même en parle. Dans leur famille, les hommes aiment les femmes grosses avec des fesses comme ça. Et ce monsieur-là, il est mince. Mais femme, il est allé prendre. Non. Et un jour, je lui demande, il dit, j'ai cherché. Et j'ai trouvé. J'ai dit, comme ça. Et puis lui-même, il est mince derrière, puis il dit, ouais. Ce n'est pas sa faute. Il est contrôlé par un lien générationnel. Frère, le monsieur est prêt à vendre sa maison, vendre ses enfants à cause de femmes grosses fesses. Vous jouez avec. Vous savez, il ne faut pas rire. Ça fait rire, ça fait pitié. Les hommes souffrent parce que les liens générationnels sont puissants. Je connais une sœur qui est venue me voir un jour pour me demander des conseils. Je reçois la sœur et elle me dit, pasteur, j'ai un frère qui veut me fiancer. Mais pasteur, ça ne m'arrange pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas l'argent? Elle dit, non, brillant, intelligent. Il est en faculté de pharmacie. Mais pasteur, il est trop sérieux. Moi, chez nous, là, on aime les gens, tu vois, non, un peu louba qui nous frappent un peu. Qui, tu vois, non, pasteur. J'ai dit, il est trop sérieux. Non, pasteur, je vais m'ennuyer. Il va au travail, il vient, il est sérieux, il prie seulement. Moi, j'aime les gens, tu vois, donc, qui me secouent un peu. C'est un problème de lien générationnel. Dans leur famille, là, les femmes aiment les garçons qui les frappent, qui les insultent. Et puis, quand on se fout d'elles, elles sont contentes. Elles disent, voilà, ils m'aiment. C'est ça, un homme. Frères et sœurs, les liens générationnels existent. Il y a des familles, les sœurs
sont belles, mais elles ne trouvent jamais de mari. C'est un schéma. Les liens de sang. Regardez cette famille. Mais je n'ai pas fini. Nous sommes à quelle génération? Troisième génération. Allons maintenant à la dixième génération de la même famille. Lis-moi 2 Samuel 12, verset 10. Suivez. Nous sommes à la dixième génération de la même famille. Oui. 2 Samuel 12, verset 10. Suivez. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Oui. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Avant d'arriver là, ça c'était le châtiment. Lis-moi 2 Samuel 11, 2 à 3. Pour voir l'origine de l'histoire. Oui. Un soir, David se leva de sa couche. Oui. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, oui, il aperçut de là une femme qui se baignait. Oui. Et qui était très belle de figure. Qu'est-ce qui revient? Très belle de figure. Dixième génération de la famille. David, ce grand roi qui a tué Goliath, qui a fait des exploits pour Dieu, n'a pas pu tenir face à une jeune fille de très belle figure. Pour dire quoi? Un lien générationnel a un pouvoir et une capacité. Frères et sœurs, quand vous voyez aujourd'hui dans nos sociétés, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un a l'argent, il lui faut une maîtresse. C'est des liens générationnels. Quelqu'un a un peu d'argent, il lui faut une femme quelque part qui nettoie ses pieds et qui le lave. Alléluia. Je dis, observe tes parents. Leur combat sera sûrement ton combat. David, le grand David, n'a même pas eu la conscience que la femme qu'il vient de voir est la femme de son collaborateur Uri. Jusqu'à où le lien générationnel peut enlever ta conscience. Il a pris la femme du monsieur. Il a tué le monsieur. Et regardez jusqu'à où un lien générationnel peut emmener quelqu'un. Tuer le monsieur, il a mis le monsieur au combat en face pour le tuer. Frère, le tuer, il a tué Uri. Il a pris sa femme. Mais il a payé les conséquences. Parce que l'enfant est mort plus tard. Dieu l'a jugé. On n'entrera pas dans les détails. Mais je veux vous montrer simplement que, frère, Satan va toujours vous tenter à la hauteur de ce qu'il a semé dans votre génération. Parce qu'on ne tente pas un homme avec la nourriture s'il n'a pas faim. Quand Satan envoie David sur le toit de sa maison pour se balader, c'est parce que Satan veut activer en lui ce qui est dans sa lignée familiale. Donc il positionne une belle figure. Et on précise très belle figure. Lui, roi. Quelle femme il ne voit pas? Et cette très belle figure, frère, a bouleversé toute la vie de David. Et dans cette famille, il n'y a pas que ça. Est-ce que vous savez, par exemple, que dans cette famille, la famille d'Abraham, tous les premiers fils sont rejetés? Qui est le premier fils d'Abraham, père? C'est qui? Il a été rejeté au profit de Isaac. Qui est le premier fils d'Isaac? Il a été rejeté au profit de qui? Qui est le premier fils de Jacob? Il a été rejeté. Qui est le premier fils de Joseph? Il a été rejeté. Tous leurs premiers fils sont rejetés. Tu vas me dire ça là, c'est du hasard. Ce n'est pas du hasard. Est-ce que vous savez que toutes leurs femmes étaient stériles? Père Abraham, qui est sa femme? Elle était stérile avant que Dieu ouvre son sein. Qui est la femme d'Isaac? Elle était stérile. Quelles sont les femmes de Jacob? Rachel et Léa, les deux étaient stériles. Dieu a d'abord ouvert le ventre de Léa à cause de sa souffrance. Et ensuite, celui de Rachel. Donc vous voyez, la stérilité se promenait dans cette famille, le rejet se promenait dans les premiers fils, on appelle ça la malédiction sélective. Les premiers sont rejetés.
Ça, c'est la Bible. Je ne suis pas en train de te citer le Coran, c'est la Bible. Frères et sœurs, il y a des familles, les hommes ne dépassent pas 60 ans. Ils meurent avant. Je connais une dame pasteur qui s'est mariée comme ça avec un autre pasteur. Et les gens ont dit à ce pasteur-là que, ah, on a remarqué que dans la famille de ta femme, les hommes meurent autour de 50 ans. Le monsieur, le pasteur, a commencé à faire des théories. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand il a atteint 50 ans, il est tombé malade. Et autour de 50 ans, il est mort. Et plus tard, c'est là que les gens ont vu que, ah, l'affaire est sérieuse. La dame vient de se remarier il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas le sort de celui qui est là. Parce qu'une malédiction générationnelle, si on ne l'arrête pas, elle continue sa course. La plupart d'entre vous qui êtes des régions, vous n'avez pas vu que dans les régions, par exemple, vous êtes dans les régions, vos parents ont adoré des eaux, ont fait des choses, ont posé des actes. Mais que tu aies connu ton père, que tu n'aies pas connu ton père, toutes les actions qu'il pose a une capacité d'influencer ta vie, même si tu es assis dans l'église. C'est pourquoi lorsqu'on se convertit, frère, il faut régler ces problèmes. Parce que je vais vous dire, le salut, il est instantané. Ton esprit est sauvé quand tu donnes ta vie à Jésus. Le ciel est garanti. Mais la vie abondante ne dépend pas de ta nouvelle naissance. La vie abondante dépend de ce que tu fais, des informations que tu reçois. Regardez par exemple, quand un homme meurt, il ne va pas avec ses liens de famille. Quand un homme meurt, il ne va pas avec ses démons qui l'ont fatigué. Il ne va pas avec ses faiblesses. Quand il meurt, il est mort. C'est est-ce que son esprit était en ordre avec Dieu ou pas? Ça veut dire que ces choses que nous sommes en train de régler là, c'est pour ici. C'est pour que vous puissiez vivre une vie abondante et une vie glorieuse. Parce qu'en réalité, ces choses-là, si à un moment donné tu ne prends garde, ont la capacité même de saper ta communion avec Dieu. Oui. Les gens meurent, ils sont morts. Leur problème de démons, de liens, ça reste ici. Si son esprit était connecté à Dieu, il rentre au ciel. Mais pour le moment, tant que tu es là, règle les problèmes pour vivre une vie abondante et une vie de paix. Parce que la volonté de Dieu, c'est de vous voir heureux, épanouis, des familles qui sont en paix, qui réussissent. Dites-moi amen. Un jour, je vous l'ai dit, j'ai rencontré un monsieur qui me dit, mais pasteur, je suis en train de ressembler à mon père. Ton père est polygame. Il avait beaucoup d'enfants. Toi, tu es en train de faire, à ton âge, tu es déjà à 5 enfants avec 5 mamans différentes. Et tu penses que c'est le hasard. Tel père, tel fils. Oh, ce matin, quelqu'un reçoit une liberté totale au nom de Jésus. Que ton amen soit meilleur que ça. Oh, je dis que ton amen soit meilleur que ça. Le choix de bien vivre garantit le salut de tes enfants. Regardez par exemple, lis-moi 1 roi 11 verset 12. Il y a une histoire et il y a quelque chose d'important que je vais te souligner là. 1 roi 11 verset 12. Oui? Seulement, je ne te ferai point voir pendant ta vie à cause de David et ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Remonte un tout petit peu à partir du verset 10. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Oui. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. Ici, vous voyez, Dieu fait une déclaration importante. Salomon s'est mal comporté. Et Dieu est sur le point de le juger. Mais Dieu vient et Dieu lui fait une annonce pour dire, ton père David s'est repenti et a posé des actes en ta faveur qui te protègent. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu est un Dieu de génération. Frère, ce que vous faites aujourd'hui aura une incidence sur vos enfants.
Même quand Salomon s'égare, il dit, je ne le ferai point à cause de David. Parce que David a prié pour toi, a investi dans ton futur. Donc je suis obligé, à cause de son investissement, de te laisser. Mais tes fils vont payer. Pourquoi? Parce que Dieu sait que Salomon n'avait pas l'intelligence pour sécuriser ses enfants. Comme certains qui vivent aujourd'hui. Frères et sœurs, le choix de bien vivre, c'est sécuriser la vie de nos progénitures. Maintenant, allons au tableau. Je vais vous donner un tableau important. Vous allez retenir ce tableau, ce sera important pour la prière tout à l'heure. Oui, mettez-moi le tableau et vous notez tous les éléments. Je vais faire un commentaire par rapport à ce tableau. Je vous l'ai dit dimanche dernier que j'allais vous le donner, le tableau. Oui, voilà le tableau. Suivez ici. Si vous voulez café, une capture d'écran, vous faites, c'est très important parce que vous devez travailler dessus maintenant. Combat des géniteurs. Dans la première colonne, on a mis combat des géniteurs, papa et maman. Vous allez écrire ici, lister tout ce que vous avez connu de votre père et de votre mère, qui est un combat ou un lien que vous n'aimez pas et que vous avez constaté. Par exemple, ton papa aimait boire, ton papa était polygame, ton papa n'allait pas à l'église, il était féticheur. Ton papa avait telle maladie. Ton papa est mort dans des conditions mystérieuses. Tout ce que tu as remarqué dans la vie de ton père et de ta mère, tu vas lister ça ici jusqu'en bas, qui sont des liens ou des combats vraiment que tu as observés. Alléluia. Papa et maman, première colonne. Deuxième colonne, tu vas énumérer tout ce que tu as observé ou que tu peux observer dans la vie de tes frères et sœurs, cousines, cousins, des personnes qui ont un lien de sang avec toi. C'est-à-dire, dans ta famille, les femmes ont enfants sans mari. Tu as remarqué, cousine A, sœur B, les femmes ne trouvent pas de mari, comme ça c'est compliqué. Tu as remarqué dans ta famille, les hommes ne sont pas très intellectuels ou ils sont très brillants, mais n'ont jamais un bon travail. Il faut noter. Ou dans ta famille, il y a des maladies qui reviennent, qu'on peut observer dans 4, 3 vies, 5 vies. Alléluia. Et la plupart des personnes qui décèdent, c'est cette maladie-là qui les tue. Il faut noter. Deuxième colonne. Ça, c'est la famille élargie. Cousins, cousines. Des choses que tu as remarquées qui sont dans ta lignée. Dans ta famille, tes cousins, tes frères, tu as remarqué que les gens sont très hypocrites. Il faut noter. Ou c'est des menteurs professionnels. Quand ils mentent, ils sont sereins. Même la mimique faciale, on ne peut pas les attraper. Il faut noter. C'est des choses importantes. Et quand tu as fini de noter la deuxième colonne, tu vas à la troisième colonne. À la troisième colonne, tu vas faire quelque chose. C'est que tu vas faire un découpage. Tout ce que tu as noté dans la première colonne, papa, maman, et dans la famille élargie, que tu observes dans ta propre vie, tu les retraces ici dans la troisième colonne. Par exemple, ce que tu ne retrouves pas dans ta vie, tu laisses. Mais ce qui est chez papa, ce qui est dans la famille élargie, que tu peux retrouver dans ta propre vie, tu le mets dans la troisième colonne. Et puis tu fais une analyse. Est-ce que c'est bon pour quelqu'un? Tout le monde a compris? Ne joue pas avec ce que nous sommes en train de faire. Dieu veut libérer les familles. Quelqu'un me dit amen. Oh, que ton amen soit meilleur, s'il te plaît. Dieu veut libérer les familles. Et tu vas voir que quand tu vas faire ça, tu seras surpris de voir qu'il y a des éléments de similitude. Mais fais gaffe, il y a certains traits de caractère que tu ne vas pas observer maintenant dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prier pour ça, parce que ce qui a été le passé de l'un de tes parents peut devenir ton futur. Ça peut être juste dans le processus de devenir ton futur. Donc fais gaffe. Je connais une sœur, il y avait beaucoup de divorces dans sa famille, et elle était mariée avec un jeune homme bien, et tout le temps elle regardait, elle dit, oh c'est grave, c'est pas bien, ça divorce ici. Elle était en sécurité, mais elle ne savait pas que ce que Dieu
lui montrait était juste son futur qui arrivait. Au lieu de prier et de commencer à faire le combat spirituel, ah, moi, mon chéri, il n'est pas comme les autres. Quand on vous dit de marier les bons hommes-là, vous êtes tout le temps en train de marier les garçons Shintok. Un jour, la mentalité de son mari l'a changé. Son regard a changé. Et voilà son foyer qui commençait à battre de l'aile. Elle court de tous les côtés. On lui a dit, mais tu sais, les choses que tu vois autour de toi, il faut faire très attention. Il y a un lien de sang. Peut-être que ce n'est pas encore ton tour, mais le tour arrive. Et quand elle arrive, il faut qu'elle te trouve solide. Sinon, elle te terrasse. Les problèmes de transfert d'iniquité générationnelle sont très puissants. Je vous le dis, Église. Je vous le dis. Ne jouez pas avec ces choses. Regardez la vie des gens. Les gens sont en train de copier le chemin de leurs parents. Regardez certains. Ils ont même grossi comme leur papa. Certains ont le même comportement que leur papa. Papa hypocrite, enfant hypocrite. Il n'est pas allé à l'école pour apprendre. Mais c'est des choses qui sont dans ses gènes. Frères et sœurs, si ton père est mort tôt et que tu observes dans ta famille des morts prématurées, commence à prier pour la longévité. Ne dis pas non, moi je suis chrétien, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Arrête de confesser des choses que tu ne comprends pas. Prie. Dis-moi amen. Si, dans une famille comme la famille d'Abraham, père de la foi, on peut observer des choses comme ça, ce n'est pas toi dans ta famille, Kofi ou Paul ou famille Koukounion, là, on ne va pas observer ça. Quand tu prends famille Koukounion, famille Abraham, là, quelle famille qui est puissante? Mais ça n'a pas empêché que les liens générationnels marchent dans cette famille. Et tu me posais la question, mais pasteur, pourquoi tu es passé de la troisième génération à la dixième génération? Je te l'explique, tu peux avoir les détails dans mon livre. Vous savez que Dieu, en bénissant les 12 tribus d'Israël, les fils de Jacob, qui est la troisième génération, il a dit d'un des fils de Jacob, qui est Judas, « De toi sortira les rois. » Mais nous savons que Judas a eu une femme avec qui il n'a pas pu avoir d'enfant. Il a eu des enfants, mais ses enfants n'ont pas eu d'enfants. Tamar, qui était la belle-fille de Judas, son premier fils est mort, le deuxième est mort, le troisième également a souillé sa semence sur lui et Dieu l'a enlevé. Et Judas s'est retrouvé sans descendance. Pourtant, il est prophétisé que c'est Judas qui doit fournir les rois sur Israël, n'est-ce pas? Donc, à la troisième génération, la tribu censée a produit des rois sur Israël n'a pas de descendance. Et un jour, Tamar, la belle-fille de Judas, va dans un pays étranger et Judas arrive dans ce pays-là et la dame s'est déguisée en prostituée. Judas, ils ont ça dans leur famille, ils aiment les femmes. Il est sorti avec la prostituée là sans savoir que c'était sa belle-fille. Et donc, le seul descendant que Judas avait, c'est un enfant qui est né d'une relation illicite. Alors qu'il est écrit dans Deutéronome 23 que un enfant né d'une union illicite ne peut pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à sa dixième génération. Frères et sœurs, c'est une sentence, c'est écrit. Donc, de la troisième génération, il n'y avait pas de roi sur Israël. Le peuple a commencé à se plaindre. Dieu a tenté d'envoyer Saül qui est de la tribu de Benjamin. Mais qu'est-ce qu'un enfant de la tribu de Benjamin peut faire? Il n'a pas l'onction royale. C'est normal qu'il échoue. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu commence à pallier à l'insuffisance de Judas à produire des rois en envoyant des juges. Donc, les juges dans la Bible, en réalité, il ne devait pas avoir de juges dans la Bible. Donc, le livre des juges, c'est Dieu voulait pallier à une insuffisance. Judas est sous sentence. Il faut sa dixième génération pour qu'il y ait un roi. Donc, en temps, on fait quoi? Il faut envoyer des juges. Il faut envoyer des juges. Donc, la raison des juges, c'est l'incapacité de Judas à produire des rois. Alléluia! Ouais, quelqu'un peut me dire amen bien! Que ton amen soit meilleur que ça, alléluia! Dieu est un bon Dieu. Maintenant, regardez, à la dixième génération, la sentence est sautée. David, qui est de la famille d'Abraham, devient roi, enfin.
C'est pourquoi nous sommes passés de la troisième à la dixième. Église de Jésus, les choses spirituelles sont réelles. Arrêtez de vivre votre vie comme si ce monde-là était matériel. Frère, tout ce que vous pouvez voir tire son origine du spirituel. Je vous le dis, tu sais, depuis un certain temps, pour la plupart, vous savez, mais en même temps, ces temps de difficultés dans lesquels nous passons sont des leçons que Dieu nous apprend encore sur l'importance de la vie, l'importance de mettre sa vie au service de Dieu, parce qu'en réalité, vanité de vanité, tout est vanité. Frères et sœurs, j'étais dans ces temps-là, à Williamsville, ainsi de suite, là, c'est terrible. C'est un autre monde. Vous vivez bien. Servez Jésus. La vie est courte. Si tu as trop vécu, 90 ans, 100 ans, 100 ans c'est quoi dans l'océan de l'existence? 100 ans c'est quoi? 120 ans c'est quoi dans l'océan de ton existence? Fais le choix de Jésus. Arrête de vivre comme si cette vie va continuer éternellement. Regarde autour de toi ceux qui sont déjà partis, qui t'ont précédé. Ils sont où aujourd'hui? Ils ont bâti des maisons, ils ont réalisé leur vie, ils ont fait des grandes choses. Mais ces choses-là, frères et sœurs, sans Jésus, c'est zéro. C'est Dieu qui vaut la peine. Je suis venu t'interpeller ce matin. Frère, règle tes problèmes. Règle tes problèmes. Si tu as des vices, tu es lié par des péchés, tu vis une vie chrétienne, tu es chrétien, tu es chrétien de nom, mais tu ne t'en sors pas. Règle tes problèmes. Avant qu'il ne soit trop tard. Donc, lorsque Satan attaque la famille, l'objectif numéro un de Satan, c'est établir sur ces familles-là ce qu'on appelle un schéma démoniaque. Et les schémas démoniaques sont des prisons familiales. Qu'est-ce que c'est qu'une prison familiale? Note ceci, c'est très important. Une prison familiale, d'abord, une prison en elle-même a des caractéristiques. La prison est un environnement ou un établissement qui reçoit des condamnés. Donc, numéro un, dans une prison, il y a des condamnés qui sont privés de liberté et de mouvement. Donc, la prison est caractérisée par trois choses. Condamné, privé de liberté et de mouvement. Et donc, lorsque Satan établit sur les familles des prisons spirituelles, en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il établit un schéma démoniaque. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une prison familiale? Une prison familiale est un schéma démoniaque familial. Écris ça. Une prison familiale est un schéma démoniaque familial. Qui est héréditaire, bien sûr. Ça veut dire qu'elle passe de génération en génération. Et l'objectif, c'est établir sur cette famille un lien. Un lien. Donc, les prisons ou les schémas démoniaques ont pour objectif d'établir sur ces familles-là des liens héréditaires. Ça veut dire, vous vivez dans la grande famille, mais il y a des liens qui sont là, qui se promènent, et ces schémas-là sont observables. À un moment donné, on commence à appeler votre famille du nom du schéma. On peut dire par exemple, regardez la famille Kwaku. La famille où les femmes ne se marient jamais. En fait, on utilise le schéma, le patent en anglais, qui est sur cette famille-là pour les nommer. Ah, regardez la famille où tous les garçons sont des bandits. C'est un schéma démoniaque. Ah, regardez la famille où tous les gens sont souvent malades. 1, 2, 3, deuil. Regardez cette famille-là. Donc, en fait, le schéma démoniaque devient comme une marque déposée sur la famille. Mais je déclare, toute marque déposée depuis l'enfer sur ta lignée familiale et qui a commencé à influencer ta vie personnelle, nous déclarons,
au nom puissant de Jésus. Que ces chemins-là soient complètement anéantis par le sang de Jésus. Dis-moi amen. Alléluia. Donc, les prisons familiales sont des schémas démoniaques. Maintenant, les schémas ou les prisons familiales ont des caractéristiques. Je vais te donner un certain nombre d'éléments importants pour te montrer ce que peut être un schéma démoniaque dans une famille. Par exemple, numéro 1, l'esprit de pauvreté et de limitation dans une famille peut être un schéma démoniaque qui devient une prison pour plusieurs. 2 Corinthiens 8, verset 9. Donc, l'esprit de pauvreté et de limitation. Tu vois, dans la famille, les gens ne s'en sortent pas. Il y a toujours limite, limite, limite. Tonton est comme ça, grand-père est comme ça, ainsi de suite. C'est un schéma démoniaque, oui. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Ici, je veux que tu retiennes dans ce verset, tout ce que Dieu a racheté n'est pas bon pour toi. La Bible dit, il s'est fait pauvre. Ça veut dire, dans sa pauvreté, Jésus a racheté ce chemin-là. De telle sorte qu'un homme qui croupit encore sous ce chemin est dans un lien. Ce n'est pas normal. Donc, limitation, limitation. Ce genre de famille, ils ne s'en sortent jamais. Dans ces familles-là, il n'y a pas d'intellectuel jusqu'à un certain niveau. Les gens, il n'y a personne en fait, il n'y a personne. Quand il y a un problème financier, on ne trouve personne. Le seul qui s'est en sorti un peu, il est menuisier quelque part vers Ebimpe, dans un petit coin. Quand on l'appelle pour dire, cousin, voilà la situation, il dit, ah, moi-même je ne m'en sors pas. Les chaises que j'ai fabriquées là, personne ne paye. Il y a des familles comme ça. Limitation, pauvreté, c'est un schéma démoniaque. Deuxième type d'exemple de schéma démoniaque, les schémas démoniaques qui sont des prisons de famille peuvent être également caractérisés par des mauvaises attitudes. C'est-à-dire, il y a des familles où Satan établit des attitudes générationnelles. Je vous ai parlé de Moïse. La colère de Moïse était générationnelle. Dans cette famille-là, leur colère est destructrice. Quand elle se fâche, elle peut tuer quelqu'un. Elle casse la télé, elle casse tout. Et puis après, elle revient en elle-même. Et puis elle dit, pardon, je regrette. Parce que c'est un lien générationnel. C'est une prison familiale. Et on peut l'observer dans la famille. On dit, ah, tel a fait ça. Et vous allez voir que la conséquence de ce genre de comportement et attitude, la plupart des femmes dans cette famille ne se marient pas. On les marie, on les laisse. Pourquoi? Elles aiment trop palabre. Donc, leur problème de manque d'avancement dans la vie est lié à leur mauvaise attitude. Elles ne sont pas dociles, elles ne font que palabre, palabre, palabre. Tu entends? Elle a frappé le monsieur a pris la fuite. Il s'en demande le divorce. Quelqu'un me dit, je suis délivré au nom de Jésus. Oh, plus fort! Lis-moi le psaume 101, verset 7. Psaume 101, verset 7. Oui. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Ici, nous parlons de mauvaise attitude, schéma démoniaque. J'ai parlé de la colère. Ça peut être également des mensonges. Il y a des familles où le mensonge, les gens mentent de père en fils, cousin. C'est-à-dire le mensonge fait partie des liens générationnels dans leur famille. Et à côté du mensonge, ça peut être la perversité. C'est des hommes qui sont pervers, ils aiment les femmes. Ils aiment les femmes. Papa était polygame, coureur de jupons. Il a eu plusieurs enfants avec des mamans différentes. Le petit frère comme ça,
le cousin est comme ça. Et puis on dit non, chez nous là, les hommes sont des gens puissants. Les hommes là, hey, c'est des beaux gosses. Mais en réalité, c'est un schéma démoniaque dans la famille. Tu vois, tu ne verras pas un seul homme avec une femme et des enfants. L'homme a toujours un enfant dehors quelque part. C'est un schéma, la perversité. Les gens sont là, ils ressemblent à des gens sérieux, mais c'est des gens pervers. La pornographie, ils sont accros à la pornographie. Mon ami, tu as besoin de liberté. Hein? Oh, dis-moi amen. Alléluia. Des comportements anti-Dieu. Il y a des familles, par exemple, les gens n'aiment pas Dieu. J'ai connu une famille comme ça, médecin, belle famille. Il ne faut pas leur parler de Jésus. Ils ne vont pas à l'église. Ils vont te donner le nom d'une religion. Ils vont te dire, je suis tant. Je suis tant. Parce que les gens se cachent derrière la religion universelle que tout le monde connaît, pour continuer à vivre leur vie d'iniquité. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ces religions-là, oh, on peut tolérer, on peut laisser faire. Frère, je vais te dire, la religion ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Dis-moi trois fois, amen et reçois la grâce de Dieu. Je suis assemblée de Dieu. Je suis catholique. Mon ami, lis ta Bible. Si tu trouves le nom d'une religion dans la Bible, moi j'abandonne la foi. Je suis catholique. Je suis Séma. Hein. Tout ça, c'est zéro. Si Jésus revient maintenant, est-ce que tu es en train de faire ce que tu dois faire pour mériter le ciel? C'est ça le plus important. Ce n'est pas une religion qui sauve. Regardez ces gens qui sont dans les religions aujourd'hui, mais qui sont dans le maraboutage, dans les sacrifices, qui sont dans la perversité. Quelqu'un me disait, il n'y a pas longtemps, il y a des gens élevés dans le pays. Ils ont des gens qui convoient pour chercher des petites filles. Quand ils vont en mission, ils te prennent le visa, ils te donnent 20 millions. Ils t'attrapent, tu vas avec eux à Paris ou aux États-Unis, ils sortent avec toi toute la semaine, tu as 20, 30 millions. Et puis ils te transmettent des esprits impurs parce qu'ils sont dans des rites et des rituels sataniques. Et nos sœurs reviennent, elles ont Range Rover. Tu la vois petite comme ça dans Range Rover. C'est qui est derrière elle? Mon ami, il ne faut pas l'envier. Parce que je veux te dire, les alliances de sang sont dangereuses. Voilà, tu vas voir les jeunes filles qui meurent n'importe comment parce qu'elles ont vendu leur âme au diable. Si tu es là, il ne faut pas faire ça du tout. Ils finissent de sortir avec toi, ils font pipi sur toi, ils font le déchet sur toi pour t'envoûter. Il y a une dame qui est entrée dans mon bureau ici il n'y a pas longtemps. Pasteur, j'ai peur. Pasteur, j'ai peur. Tu as peur de quoi? Elle dit, pasteur, ma copine vient de mourir. Elle est morte de quoi? Quelqu'un a fait pipi sur elle. Et depuis que le monsieur a fait pipi sur elle, elle a des odeurs qui sortent d'elle, des odeurs. Elle se lave, elle se parfume. Elle a commencé à pourrir de l'intérieur. Elle est décédée. Et le même monsieur m'a appelé. Il dit de venir le voir. Pasteur, j'ai peur. Je fais quoi? Je lui ai dit, quand on vous dit de vous convertir, frère, je veux vous dire la vérité. C'est les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Quelqu'un n'a qu'à acclamer Jésus pour ça. Alléluia. Alléluia. N'enviez pas les gens, hein? N'enviez pas les gens, hein? Hey, il y a des gens, vous voyez là, ce qu'ils ont là, ce qui est derrière. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'héritage. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui construit un immeuble, il est allé consulter, il a fait fétiche, il a tué l'homme, il a eu l'argent, il a construit l'immeuble. L'esprit qu'il a aidé à construire là, il est le gardien de l'immeuble là. Le jour où il meurt, il faut attraper l'immeuble là, tu vas voir. Si tu n'es pas prêt à faire ce que la personne a fait pour le satisfaire, il va venir frapper à ta porte, toi qui es l'héritier, pour dire, hey, tu as hérité de ça là, et moi qui ai donné ça. C'est pourquoi vous allez voir que tous les héritiers en général ne s'en sortent pas, deuxième génération. Pourquoi? Ils héritent sans tenir compte des alliances qui ont conduit à l'héritage. Tu es chrétien, je suis en train de te parler parce que Dieu veut t'aider.
C'est pourquoi quand tu es un enfant de Dieu, il faut sortir des histoires de hey. Mon ami, bâtis ta vie. Jésus a la capacité de t'aider, de t'élever. Dis-moi amen. Et il le fera. Parce qu'il est un bon Dieu. Dis-moi trois fois amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui peut me dire encore amen? Je dis, Satan t'a perdu. Dis à ton voisin, Satan t'a perdu. Il t'a perdu. Oui, il t'a perdu. Exemple de prison familiale. Les maladies bizarres dans des familles. Il y a des familles où ce sont des histoires. Toutes les femmes ont kystes, myomes. Ça menace leur fertilité. Dans la famille, 1, 2, 3, elles ont des problèmes de fertilité. Pourquoi? Parce que ça pousse ici, ça pousse ici. C'est des chemins démoniaques. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Myome ici, myome ici, myome ici. Après, on enlève l'utérus. Après, on fait comme ça. C'est-à-dire que les fertilités sont menacées. Et ça se promène dans la famille. Des maladies bizarres. Des hommes qui ont des trucs bizarres. Tout le monde a tension. Grand-père a eu tension. L'autre est mort par tension. L'autre, après, c'est diabète. L'autre... Mais il y a des maladies comme ça. Des maladies chroniques dans la famille. Si tu as observé ces choses, il faut prier. Tu peux être l'exception dans cette famille. Et tu es l'exception au nom de Jésus. Dis-moi amen. Alléluia. C'est des prisons. Je vous dis, c'est des vraies prisons. Parce que les esprits de la maison de tes pères vont te pousser à faire des choses pour te conduire dans une position qui accuse leur chemin. Oh! Tant que tu n'es pas dans une position qui exauce le chemin familial, ils ne vont pas te laisser. C'est pourquoi tu vois des frères gentils, ils s'est mariés, bon foyer. À un moment donné, on ne sait pas d'où ça vient. Sa tête commence à bouger comme ça. Il reste plus tranquille. Il reste plus tranquille. Parce que tant qu'il n'a pas accusé, il n'a pas exaucé le chemin démoniaque familial, Satan ne le laisse pas. Un matin, boum, le gars divorce. Comme son père. Même des pasteurs qui sont menacés par ça. Je connais un pasteur. Né de nouveau pasteur. Son père ne s'est jamais marié. Ses frères ne se sont jamais mariés. Il a marié quelqu'un. Au bout d'un temps, il a commencé à tourner. Sa tête a commencé à tourner, 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 tourner. Poum! Il a divorcé. Aujourd'hui, il est comme son père. Sans... Il n'est pas marié, il est là. Maintenant, il tourne. Et puis, il séduit les filles ici. Il séduit les filles ici. Il séduit les filles ici. Les chemins démoniaques sont puissants. Des maladies bizarres qui arrivent dans des familles. Alléluia. Jésus a pris nos maladies. Si Jésus a pris ta maladie, ça veut dire que les maladies sont des prisons. Tu n'as pas le droit d'être dans une prison que Jésus a déjà cassée. Oh, que ton amen soit meilleur. Je prophétise sur ta vie. Tout ce qui te guette, tout ce qui te menace, cette semaine, c'est la fin au nom de Jésus. Une autre prison familiale, les limitations sociales, des gens qui ne vivent pas longtemps, aucun intellectuel dans la famille, tout le monde est limité. Le rejet, c'est leur quotidien. Ils ont bon diplôme, mais jamais une position qui leur convient. Il y a des choses comme ça qui se promènent. Il y en a beaucoup. Hein. Si je veux te citer, on ne va pas finir. Il y en a tellement de chemins, tellement de prisons. Je peux te citer jusqu'à 14 prisons familiales. Et toutes nos familles sont soumises à ces prisons-là parce que Satan ne change pas ses stratégies. C'est pourquoi si tu es là, les gens meurent autour de toi. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Les gens sont frivoles autour de toi. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il y a des choses qui se passent dans ta famille. Il ne faut pas prendre à la légère. Parce que le passé d'un membre de ta famille peut être ton futur. Ouvre tes yeux. Et frères et sœurs, c'est important. Je vais te faire lire un verset et puis on va terminer ce matin. Et je vais te donner des instructions maintenant. On va le lire. Ézéchiel 16, verset 2 à 3. Lisons ensemble ce verset. Fils de l'homme, oui. Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Oui.
tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Oui. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Regardez Dieu qui parle et qui pointe l'origine. Dieu ne joue pas avec les origines. Il dit, tu es du pays de Canaan. Oui, vas-y. Ton père était un Amoréen. Ton père était un Amoréen. C'est pas par hasard que Dieu le dit. Et ta mère, une Hessienne. Et une Hessienne, oui. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Dieu est sur les détails. En fait, ici, lorsqu'il parle du territoire de Canaan, Dieu veut dire simplement que, il dit, parce que le territoire de Canaan symbole la mondanité. Il est en train de lui dire, tu viens d'un territoire où les gens sont mondains. Quand il dit, ton père est un Amoréen, les Amoréens sont des montagnards. Donc des gens qui ont la culture de la hauteur. Donc c'est des gens orgueilleux. Donc il est en train de dire, fais attention à l'orgueil. Dieu pointe. Il dit, même ton cordon n'a pas été coupé. Parce que c'est des choses qui ont une capacité d'influence. Église de Jésus, réveillez-vous. Regardez ici en Côte d'Ivoire. Quand on dit par exemple BTM Palab, on prend pour rire. Vrai ou faux? Mais qu'est-ce qui fait que les gens pointent toujours les gens qui viennent de l'Ouest comme des palabreux? On dit les gens de l'Ouest sont palabreux et puis ils n'ont pas de parole. Mais quand on dit ces deux choses-là, c'est devenu un chemin démoniaque que Satan a établi sur cette zone-là comme un label. Mais en réalité, c'est parce que c'est plus qu'observable dans la vie des gens là-bas. Ça se promène. Pourquoi? Parce que la culture d'un peuple a la capacité d'établir des prisons sur ce peuple. Et les cultures sont à l'origine des prisons familiales. Les cultures sont dangereuses. Culture. Regardez par exemple la région les régions qui sont côtières. Ils ont une culture qui a donné une danse qu'on appelle le makuka. Vous voyez que de la culture au péché, c'est juste un lien. Quand le makuka, la danse makuka a commencé à être en vogue, la perversité est entrée dans les mœurs. Pourquoi? Ces gens qui sont dans les régions côtières, frères, ils dansent, ils font les fesses comme ça, des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils visent comme objectif? Tous les Ivoiriens sont devenus des pervers. Ils ont développé, ils ont activé dans les gens le regard sur les fesses des femmes. On dit non, les agnis sont des avares. Et puis ils maltraitent les femmes. Mais quand on dit ces deux choses-là, c'est observable. C'est comme un chemin qui se promène dans la région. Tu prends à Boisso, tous ces coins-là, tu prends à Bangourou. Mais je vous assure, c'est comme si on les a programmés. Dans la plupart de ces régions, de Bassam jusqu'au sud là-bas, là, on n'a que des veuves. On a beaucoup plus de veuves que de vieux. Pourquoi? Les hommes meurent parce qu'ils maltraitent leurs femmes, ils meurent vite. Tu vas me dire, c'est par hasard qu'on dit ces choses-là? Non, ce n'est pas par hasard. Réveillez-vous. Si vous êtes d'une région, quel est le patente? Quel est le chemin sur la région? Il y a d'abord, au niveau régional, un chemin qui te guette et qui travaille pour que tu sois comme tes ancêtres. Ceux qui sont dans la région, il y a des forteresses spirituelles qui travaillent pour que tous les fils, les descendants de cette région-là, aient un type de comportement. Toutes les régions côtières, c'est les esprits des eaux, la séduction. Les hommes sont pervers, ils aiment les femmes. Les sœurs sont perverses. Il y a d'autres régions. Les gens, ils ne foutent rien dans la vie. La seule chose qui les intéresse, c'est comment se saper. Tu vois, le gars, il est là. Il marche comme ça, comme Charlie Chaplin. Qu'on n'ait pas papier, qu'on n'ait rien, mais il aime se faire voir. Il met le truc ici, quoi, puis il tire quoi, son pantalon. Yeah, c'est nous. Et ils sont tous comme ça dans cette région.